Et actualité a mené nous d'abord et dans le pays d'Haïti, côté yon groupe moun bat Chalbaïk derrière ancien président Joslem Privert qui te vin rendre yon visite by journaliste Liliane Pierre-Paul. Nous gè soulignan, correspondant nous Massado Vilme. Massado Vilme, so ka di nou de incident ça. Justement, Jacques Rebelizer, c'est un incident qui produit pour Oudini. L'ancien président Joslem Privert lui-même, nous apprenons, et Madame Liliane Pierre-Paul, au visite, nous connaît qui ça, et Marie, Madame Liliane Pierre-Paul, n'a parlé d'Anthony Barbier lui-même, nous s'est représenté sous la présidence de Joslem Privert. Eh bien, dans ce sens-là, il était obligé de venir rendre un hommage avec Mme Liliane Pierre-Paul. Eh bien, nous connaissons même journée ça, c'est gagné une conférence que le comité de mobilisation citoyenne pour respect de la Constitution, c'est gagné pour être organisé dans le chat de Kiskeya, qui ont espacé tout collé ensemble avec Radio Kiskeya. Pendant que divers militants eux-mêmes qui étaient rendus sous place conférence là, c'est là pour attendre qui ça et opposition, t'as pas dit, leader opposition, t'as pas dit, et bien ce moment ça, ils ont attaqué machine Joslem Privert, ils ont même plat caoutchouc, c'est non pas des agents IRGPN qui étaient déjà en place, et bien nous pas qu'on est qui ça qui était capable de passer. Eh bien, donc, ils ont assisté ou bien ils ont rendu l'ancien président responsable de tout ça qui a vécu là, question insécurité, question kidnapping, non. Ils ont baillé, ils ont rendu responsable le fait que, ils ont dit qu'il était mal organisé l'élection, ils ont même dit que ils ont PHTK. Donc, c'est tout ça qu'ils ont reproché au président qui l'a attaqué dans ce cas. Est-ce qu'il y a une réaction qui sortit après incident ça? Justement, comme on dit, responsable du comité de mobilisation, ils ont condamné l'incident ça. Et ça qui fait la cause, c'est à renvoyer la conférence qui a été gagnée pour être bâillée aujourd'hui au niveau de l'équipe. Merci, Massado Vilme, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince qui t'a nous quelques détails sur le groupe Mounsayo qui était Rele Chalbaïk derrière ancien président Joslem Privert qui lui-même t'a visité concernant Liliane Pierre-Paul, nous connaissons qui perd du mari, en parlant de Anthony Barbier, et nous tout profiter occasion pour nous présenter condoléances, non seulement concernant Liliane Pierre-Paul, mais à toute radio. Kiskeya et puis à classe politique là tout. Actualité dans le pays d'Haïti, toujours opposition politique là, Premier ministre Joseph Jout et gouvernement reconnaître que grève contre insécurité, grève de joie, eh bien, qui était là pour insécurité, qui t'a protesté contre insécurité et qui était là tout pour respect constitution, hein. Eh bien, M. Jout était tout profité tout pour lancer un dialogue. Et correspondant à nous, Renan Toussaint, gain détail sur question ça. Premier ministre Joseph Jout dit qu'il prend note que la population a respecté le mode de grève de jours. D'après le chef gouvernement, ça veut dire que le peuple a bouqué tout bon vrai avec le phénomène. Ça. Je veux dire à toute population que le gouvernement prend acte de deux journées de grève qui réussit contre l'insécurité, ça fait souligner, et le kidnapping. C'est preuve que la population comprend ce qui a passé. Hein? Et même gens avec le président de la République, là, même gens avec le Premier ministre, là, même gens avec tout le même gouvernement, nous fatigués et nous exaspérés par la situation ça, qui a fini avec non seulement la paix dans les familles, ça met en pile deuil tout dans la famille, en pile. Problème, mais ça décapitalise la famille tout. Parce que des fois, vous kidnappez les gens. Pas de cobre pour payer rançon. Vous êtes obligé de vendre si ça le gagne. Ça va même posséder, prêter cobre. Premier ministre Joseph Jout, qui c'est tout chef conseil supérieur police nationale, CSPN, mandé au commandement de la police de continuer le travail pour traquer les bandits pour rétablir l'ordre et la paix en dans le pays d'Haïti. La police pas baisser les bras, le gouvernement pas baisser les bras. La police doit continuer à mobiliser. J'en étais dans la rue hier avec jeudi. C'est pour me débrouiller, pour me faire un moyen, pour me balayer, pour me camper dans la rue. C'est job la police. Là pour le travail, ni pour l'opposition, ni pour le monde qui est en pouvoir. Cependant, Joseph Jout, quoi tout,
li important pour la population à collaborer avec la police pour identifier plus bien bandi yo. Population a été accompagnée la police nationale là. C'est preuve que le fait la police là confiance. M'a demandé population pour continuer faire la police la confiance pour nous casser rein insécurité, kidnapping, vol à main armée, attaque qui a fait sur tout le monde dans la population. Pendant ce temps, chef primature là souhaitait chita parler à tout syndicat qui était lancé ou bien appuyé grève lundi 1er à mardi 2 février 2021. Moi passe instruction déjà pour yo inviter tout syndicaliste. Que ces syndicalistes qui dans transport, que ces sac dans éducation, nan, à quelques niveaux que syndicaliste ça y a, moi même dans tête gouvernement, m'ta même font petit parler avec eux pour m'apprendre nan mais eux et pour continuer travail pour un grand parti politique sérieux qui gagne dans pays a qui c'est Haïti. Un objectif de journée grève ça yo, c'était pour exiger respect constitution par rapport à mandat constitutionnel président Jovenel Moïse Kabout 7 février 2021 malgré mathématiquement c'est 7 février 2022 mandat doit fini. Premier ministre Joseph Jout pas abordé aspect ça dit tout dans pour une presse soirée mardi 2 février 2021. N'a pas rappelé tout que syndicalistes pour répondre pour dire est-ce que oui ou non il y a répondre invitation chef gouvernement qui souhaitait chita parler à qui. Moi, c'est Wenan Toussaint, sous place dans la capitale haïtienne pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci, Renan. Après, tu es toujours dans le dossier grève là, dans la ville au Caï, dans le département sud PIA. Deuxième journée grève syndicat chauffeur fini. Dans laisser frapper entre manifestants avec la police, bilan, yon machine, ministère santé publique boulé. Yon reportage, Jean-Ernst Eliska, depuis ville au Caï. Yon machine boulé. La police tire cartouche ak en pile gaz lacrymogène pour écraser une manifestation opposition té organisée pendant deuxième journée grève syndicat chauffeur yo malgré force de l'audio té écraser manifestation opposition président syndicat chauffeur yo dans sud Bertrand Banat fait connaître deuxième journée grève là dans sud té une réussite pendant le prend pas distance li ak manifestation opposition. Bilan, c'est un bilan positif parce que nous annonçons deux journées de grève et la population avec tout le secteur, nous avons parlé avec eux, ils ont collaboré et puis nous avons porté le résultat positif que nous avons cherché de deux journées de grève. En lien comme relation, c'est que les gens dans le secteur politique prennent la rue pour manifester contre le gouvernement qui a dirigé et le président qui a dirigé. Mais nous-mêmes, nous revendiquons une bagaille qui tourne en grain pour le pays d'Haïti, c'est ça le kidnapping. Non, c'est de ça que nous-mêmes nous avons manifesté. Une militante opposition qui a réagi, longe doit être sous le commissaire gouvernement Okala, Ronald Richemont, avec l'équipe, lui dit qu'il a fait l'ordre pour craser la manifestation. Nous demandons aux jeunes de respecter l'article 134.2 de la Constitution. Nous demandons aux jeunes de respecter l'article 239 de la loi électorale, qui est le mandat fini. Nous arrivons dans le CAFOL, le commissaire Richemont, avant pas 4 ans dans le paquet là, soit regarder là ou après sur le paquet, et puis le détacher coup de ZAM sous manifestation carrément. Et jusqu'à présent, il y a un l'air en bénédiction avec ZAM. Activité a commencé dans la troisième ville PIA, journée mercredi. Transport en commun, commerce, la banque ont commencé à fonctionner. Cependant, porte l'école toujours été fermée. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique au Caï. Merci Eliska. Donc deux journées grève ça c'est d'abord pour protester contre insécurité, za kidnapping dans pays à tout, mais pour respect constitution pays à. Et en parlant de kidnapping, yon groupe moun et protester devant local ONA, Office National Assurance Vieillesse, kap mande libération maître Emmanuel Termizi qui jodi mercredi a yon cadre nan ONA que yo kidnappé. En suivre. Comment ça fait? C'est pas un mouvement spontané, c'est un mouvement planifié par rapport à kidnapping qui fait sur collègues nous, camarades nous, frères nous, Emmanuel Termizi. Ça fait nous après mouvement ça matin pour nous
Pour nous faire, pour qui ça, objectif mouvement? Objectif mouvement, c'est pour nous dire, gouvernement, dirigeant pays ça, que il est le temps pour prendre décision pour mettre fin à la kidnapping. Parce que ça fait très longtemps, à chaque secteur qui frappe, il y a un mouvement qui fait. À chaque secteur qui frappe, il réagit. Je pense que le moment arrivé, temps arrivé, pour que deux seules voix, deux seuls hommes, pour nous camper, pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord avec le kidnapping. Pour nous forcer, le monde qui a dirigé le pays ça, s'il y a toujours un dirigeant, pour qu'il puisse agir sur le bagage ça. C'est à travers tout le pays que on a eu campé. Et on m'a dit 1 million de dollars pour libérer. Je dis à la tout employé dans tous 10 départements, nous campons travail et nous collons lui-même pour nous montrer que le niveau n'a protesté contre et enlèvement mes termes. Il y en a plus assez qu'à des citoyens qui ont 30 ans depuis la paix de l'histoire. D'ailleurs, kidnapping ça arrive jusqu'à notre cœur et institution parce que c'est un plus ancien. Non seulement les apprennent là. Non seulement les apprennent là, ils ont parlé, ils ont cassé vite machine pour forcer monter la machine. Ok? On est écouté, mes dit. Franchement, pour qui ça là? Pour qui ça? On est qui vraiment cool à tout le monde. Mais là, ça tout le monde, son juste allié, pas au coup de TBZ. TBZ, pas au coup de PML, TBZ. Nous, nous, là, y là, jusqu'à ce que nous jouions libération PML, TBZ. Ok? Nous, là, y là. Ils ont parlé, ils ont cassé vite machine pour faire monter la machine. C'est pas logique. Là, tout près la caille. Là, tout près là. Continue ça. Donc c'était un groupe monde qui a demandé libération, maître Emmanuel Termizi devant local ONA, Office National Assurance Vieillesse, ou sous la voie de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC. On va suivre rendez-vous info, toujours dans l'actualité politique là, dans le pays d'Haïti. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles dressé un bilan manifestation 31 janvier passé pendant qu'il annonçait tout. Il y a une série de mobilisations sur tout le territoire pour forcer le président Jovenel Moïse quitter le pouvoir 7 février 2021. Dégâts, c'est énorme. Nous avons tout le monde. Bon verdict là, ça n'est pas le cas de résistance là. Il y a un autre monde encore qui prend balle soudainement. Et sous bout de tout le monde qui prend balle, le monde qui mourit soudainement, nous avons parlé avec la famille. Nous avons vu un juge de paix. Il fait constat dans l'hôpital. Côté, nous avons parlé avec lui. Et nous avons préparé pour faire funérailles et pour parler avec la famille. Femme dit bien, dans la manifestation qui était faite, dimanche 31 janvier, là, j'ai une langue longue, je parle avec vous matin. Tous les deux branches manifestation, ça y est, c'est Petite Dessalines avec un pilote compatriote qui te planifié. Yo. Ça veut dire, pouvoir décider d'attaquer nous, l'un point initiative, ça y est, et surtout, tout le monde est capable ici. Je dis, c'est violence tout partout. Je dis, nous quoi? C'est que les militants ont arrêté au CAI, nous libérer. Et je dis, les gens au Cap-Haïtien qui ont déposé le caoutchouc, ils ont tué. Et ils ont dame enceinte qui lui même tout recevoir 3 balles dans le BLTS qui ont même fait dégâts dans nos pays pour pouvoir la force 7. Il y a pas tant pile monde pendant n'a parlé là. Cependant, c'est pas fini. Manifestation yo pour continuer dans tout quatre coins pays encore les haïtiens. Jodi yo, des manifestations dans Semak, dans Gonaïve, dans Terre Rouge, dans Wanamet. Gros monde a pas conférence jodi yo et demain a des manifestations gros monde. Après ça, demain jeudi, nous avons une réunion entre Petite Dessalines avec MPP, avec un pilote entité H. Nous allons commencer à mobiliser et à faire une manifestation jeudi qui vient là dans H. Après ça, il y a un pilote côté qui va faire une manifestation. Laissez mobilisation générale. Mais nous-mêmes, nous avons une manifestation spéciale. Gérald Bataille, route aéroport pour aller devant l'ambassade américaine. Après ça, les 6, mobilisation dans tout le pays, manifestation, barricade. C'est ça que nous avons dit
matin dans la conférence. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles, yon l'autre côté, dit négociation a avancé sérieusement dans mi-temps opposition. L'a fait l'autre révélation. Sénateur Moïse Jean-Charles. Conférence là, Jouan, que différents secteurs te baillent là, nous, petite Dessaline, pas te sous tableau. Ce n'est pas te volonté pas nous. C'est invité, yon pas te invité non. Ça c'est premier faux pas. Depuis là, nous fait tête collée avec l'autre monde qui n'a opposition. Yon. Mais nous disons, binga, binga, petite Dessaline, avait en haut, avait en bas. Et ça pas dit, n'a pas créé problème. Mais son premier avertissement. Après ça, dans la discussion qu'a fait, yo, moun qui c'est organisation populaire, yo, yo écrit nous matin, à peu près 180 organisations populaires écrit nous. Yo dit nous, sacré le CNT, yo, Commission nationale de transition, qui parle bien 15 moun, sont danger dans la négociation, yo. Si nous mettons 15 moun, chaque bourgeois prend 2 ans, yo. Ambassadeur prend 4 ans, yo. Et, il y a 3 qui étaient. Et puis, votre fait, qui moun yo choisi? Yo choisi un moun encore qui parle qui est le système nan, et qui parle continuer à faire travail américain avec la bourgeoisie. Nous ne pouvons pas prendre dans le bagage. Le bagage ça, le peuple a demandé pour nous changer. Et, je dis, la presse, négociation qui est en loin, oui, malgré nous pouvons arriver là, même qu'avant nous, quelques informations toujours. Dans le monde qui paraît, qui a plus de chance pour être venu pour être payé dans la cassation, il y a 3 personnes. C'est eux, parmi eux, dans plus de ce qu'ils ont fait. C'est Madame Koch, c'est Messel, c'est la Brésil. Ok. Excusez-moi. Mais, je ne vais pas faire plus de détails parce que je ne suis pas autorisé pour ça. Mais en gros, nous voulons dire population à partir de 5, 6 mobilisations pour répondre dans tout le pays yon, et négociations. Si nous, ce n'est pas fait peuple, si nous, c'est même si nous avons encore qui veut faire, petite Dessaline a dénoncé ce que nous fait yon, et nous avons tiré comme nous. C'était ancien sénateur Moïse Jean-Charles qui est leader parti politique Petite Dessaline dans une rencontre avec la presse. Et encore immigrants ont fait pression sur l'administration pour qu'elle porte changement dans l'immigration, dans le système façon que l'immigration fonctionne. On a dit que le président décret ça que le tient yo, il va porter une réponse avec camp demande qu'il était fait ou bien encore promesse qu'il était fait pendant campagne là d'après signification que militants yo bail et décret ça que président ancien Jacques Bélizer. Militants qui en faveur immigration aux États-Unis bat bravo pour série décret président Joe Biden signé pour réunir tout le monde avec parents yo, réforme sur processus asile pour immigrants qui sortent dans Amérique centrale là et puis réviser politique sur immigration ancien président Donald Trump te mettait en place. Sous frontière sud États-Unis partagé avec Mexique, il y a plusieurs milliers de familles immigrants captant soyo. Have been waiting for so long, way over a year because Norma Pimentel, yon religieux qui travaille dans le secours catholique dans Texas, déclaré que plus passé yon année depuis immigrants sa yo aptan à cause protocole protection immigrants MPP qui en place là. Protocole protection immigrants ancien président Donald Trump l'a envoyé à l'tan au Mexique plus passé 60 000 immigrants qui soutiennent en Amérique centrale pour venir chercher asile politique aux États-Unis. Immigrants sayo doit tendre l'autre bord frontière jusqu'à ce que l'autorité immigration aux États-Unis fin étudier dossier. Décret président Biden signé mardi 2 février a prévoit révision programme avec politique ancien président Trump te prend pour séparer tout monde immigrant avec parents. We're going to work to undo the moral and national shame. Nous prenons le travail pour nous défaire littéralement honte morale nationale ancien administration te prend pour te séparer Timounio avec famille, maman, papa, sous frontière. Ancien administration Tromplan te séparé 5500 Timounio pour pépiter avec famille. Il y a plus passé 600 l'autre qui toujours attendent pour réunir avec famille. Analyse sur immigration en tant que Sarah Pius fait qu'on est décision président Biden, c'est un premier pas positif.
But it is important to note that it is more messaging than action. Il est important de faire remarquer que la décision est plus un message que l'issue en action. Il peut déclencher une série de l'autre action qui peut être capable de provoquer un changement important pour les immigrants qui vivent aux États-Unis ou bien en dehors du pays. Mais ça a demandé une quantité de temps. Le président Biden voyait un projet de loi devant le Congrès qui permet environ 11 millions d'immigrants qui vivent dans le pays sans document légal vivre citoyens américains. Projet loi ça a provoqué critique bon côté groupe conservateur. Noir Enrich qui travaille dans Heritage Action dit qu'il croit que décision à plouer frontières plus toujours. Il peut créer une motivation pour plus immigrants rentrer dans le pays illégalement. Contrairement avec plan sur immigration passée, nouveau décision n'a pas prévu aucune mesure de sécurité sur frontière. Mia qui sépare frontières États-Unis partagées avec Mexique, c'est une marque fabrique politique ancien président Donald Trump a réalisé pendant l'été sous pouvoir. Président Biden a passé l'ordre pour camper construction pour 2 mois en attendant de réviser le travail là pour connaître sa libre à le faire. Président Biden signe un décret sur immigration même jour. Sénat a approuvé avec 56 voix pour 43 contre Alejandro Mayorkas comme ministre de sécurité intérieure États-Unis, département qu'a dirigé service immigration à la douane. Pendant ce temps, Jacqueline et le président Biden continuent à négocier et pour faire passer une proposition de loi ou un projet de loi qu'il gagne 1,9 milliards de dollars pour les immigrants, pour, surtout pour le projet et COVID-19 là. Et je dis encore, le président a rencontré avec le sénateur démocrate pour continuer à pousser vous devant avec le projet de loi ça qu'il mettait devant le Congrès. Merci Jean-Robert Philippe. 1,9 trillion de dollars en pile d'argent. L'autre nouvelle, dans un petit moment. Dans l'autre nouvelle, ici aux États-Unis, jeudi mercredi 3 février 2021, Congrès rend hommage à l'officier de police Brian Sicknick qui a perdu la ville 7 janvier et un jour après 6 janvier, dans le moment où il a défendu Capitol Hill, bâtiment Congrès, il y a une foule fanatique, ancien président Donald Trump, qui a entré avec fracas dans le Congrès. Cadavre de fait officiel est arrivé mardi soir dans le Capitol, côté président Joe Biden et première dame Jill Biden, qui a rendu un dernier hommage. Même Congrès a fait même pareillement. La police Capitol a participé tout dans la cérémonie hier soir et jeudi. Président Chambre député Nancy Pelosi et leader majorité Sénat Chuck Schumer a délivré un message dans l'occasion. Officier de police Brian Sicknick, c'est le 5e personnage qui bénéficiait honneur ça pour cadavre exposé dans Rotonda ou bien dans Rotonde Capitol, li enterré dans le cimetière national là dans Arlington. Dans Birmanie, le peuple a battu ténèbres contre coup d'état militaire avec emprisonnement prix Nobel la paix Aung San Suu Kyi. Pendant ce temps, la télévision, l'État a montré nouveau homme fort pays, général vétéran Min Aung Hlaing, avec un nouveau ministre qui a parlé avec le représentant de la Fédération Chambre Commerce et Industrie pays. Nouveau autorité a déposé une plainte contre Aung San Suu Kyi pour soi-disant violation de loi sur importation et exportation 2 jours après la mai te prend pouvoir et déclaré un état d'urgence pour yon l'année. Yon responsable communication parti Ligue nationale pour démocratie donc parti Aung San Suu Kyi et ben yon publié jeudi mercredi sur page Facebook Aung San Suu Kyi condamné pour le passer 2 semaines en prison. La mai accusé leader d'est-ce que l'été importé illégalement quelques walkie-talkie. Plusieurs pays et organisations mondiales déjà condamné coup d'état militaire parmi eux les États-Unis, Nations Unies et aujourd'hui, groupe G7 là exprimé qu'est-ce hôtel pour détention Aung San Suu Kyi et l'autre détenu encore. Nouveau dirigeant birmanien, général Min Aung Hlaing, dit libéral ouvert une enquête sous dernière élection. Et pour finir, dans le pays, la Russie, observateur droits humains, fait connaître autorité a arrêté au moins 1400 manifestants dans la ville de Moscou après un tribunal condamné leader opposition Alexei Navalny pour le passer 3 ans et demi en prison. Il a été arrêté l'été en Allemagne. Côté, il était passé environ 3 mois. Il a recevé soin pour le récupérer. Après, il était pris un poison mortel. Une action il a gagné sous deux gouvernements russes. Avocat leader Olga Mikhaylova dit qu'il n'est pas prêté là. Nous avons une appelation.
Nous prenons un appel et nous informons le ministre du Conseil européen que la Russie n'a pas rempli l'obligation envers le tribunal européen. Alexei Navalny a profité de procès pour critiquer le gouvernement russe de ce qu'il voulait intimider les Russes et que la guéillon, l'autre fois encore, responsabilité sous deux gouvernements pour empoisonnement. Moscou rejeté toute accusation. Rendez-vous info, dossier coronavirus, Serge Rodriguez. Tant couleur blanc ça yo c'est bagay moun wè kounye a temps en temps dans ville Paris dans cadre pandémie coronavirus là qui frappait la France même dans tout l'autre pays sur planète là spécialement pays sur continent européen pour bien dire yo monté temps ça yo pour permettre résident capitale française là vinn fait test pour maladie COVID-19 là sans yo pas même besoin pour un rendez-vous d'avance. Docteur Jean Taïeb c'est un pharmacien dans ville là. The tents were set up to avoid a crowd of people inside the pharmacy. Nous mettons dans ça là pour empêcher mon vider pas bande pas paquet pour venir faire test maladie COVID-19 en dedans pharmacie et puis pour empêcher au milieu avec monde en bonne santé qui vient chercher médicaments parce que il y a une possibilité pour monde qui venir pour test là déjà testé positif pour virus là. Il faut ça possible parce que moyen pour faire test dépistage là rapide qu'on y a. Moun ka jwenn rezultat examen en environ 15 minutes, ki se yon ti fraksyon nan kantite tan ki nesesèr pou lòt test coronavirus yo. Stéphanie Chafard a travaillé nan yon lin ayeryen kom hôtesse de l'air. On était au courant de just stumbling upon it in the street. I think it's easy. Mwen jist tombé par hasard sou tan plan nan la rue a. Mwen pense li fasil pou mandri paske li aksesib. Morgan Boudou se yon li étudiant li men. Se yon bon initiative bo kote gouvernement deske li mette test sa sou pied ki kapab ba rezultat en 5 minutes. Yo di se yon pou san chans examen gen seulement pou pa mache ki donc sa rassuré parce que semblé si yon bagay moun ka fè confiance. Patricia Asphal a vive dans ville Paris. Il n'est qu'à se planter sous tente là et il a décidé de faire cela malgré les sentir quelques petits symptômes légers. En fait, j'avais pas prévu de faire. I've had light moi, j'ai quelques symptômes qui par gros depuis deux jours. L'ont-il la fièvre, peut-être fait mal. Moi, je pensais que c'est une autre maladie, moi, bien, qui par coronavirus. Comme si on test rapide qui va résultat dans 15 minutes. Moi, j'ai dit, moi, pourquoi pas? Qui fait moi décider à le faire cela? D'après le Centre coronavirus Université Johns Hopkins ici aux États-Unis, il y a plus de 3 200 000 personnes qui trappent les infections COVID-19 en France et plus de 76 000 là-dedans ont déjà fait voile pour pays sans chapeau. Qui donc, la France trouvait dans la sixième position parmi les pays qui prend plus gros frappe en bas pandémie coronavirus là, sous planète là. Et c'est avec un dernier dossier sous pandémie coronavirus là dans le pays la France que nous avons été